J'ai aperçu un lapin bizarre, aux grandes oreilles, qui courait en disant « Oh là là, oh là là, je vais être en retard !» Un lapin qui parle, c'est très surprenant. Eh bien moi, ça ne m'a pas surprise. Sauf lorsqu'il a tiré une montre de son gilet pour lire l'heure. Alors, je l'ai suivi jusque dans son terrier. Oh, dans son terrier. Tu as pu entrer à l'intérieur. Je ne me suis posé aucune question. Je suis entrée. J'ai marché dans une sorte de tunnel. Et brusquement, je suis tombée dans un puits très profond. Au moins 5 ou 6 kilomètres. Oh, 5 ou 6 kilomètres. Mais tu n'étais pas loin du centre de la Terre. Tu t'es fait mal en tombant. Oh non, je me disais, ce combat me trouvait courageuse. Après cela, ce me sera bien égal de dégringoler dans les escaliers. Mais alors, où es-tu arrivée? À Tahiti ou en Australie? Je ne sais pas, il faisait très noir. J'ai simplement entendu le lapin qui disait « Oh là là, par les oreilles et par une moustache, comme il se fait tard, je vais rater mon rendez-vous. » J'ai bien essayé de le suivre, mais il a disparu. Après m'avoir fait boire une potion magique. Eh bien, encore heureux que ce n'était qu'un rêve. Un rêve? Parfois un cauchemar. J'ai tellement pleuré que j'ai failli me noyer dans mes larmes. Oh, comment ça? Figure-toi que j'étais devenue toute petite. 25 cm, pas plus. Et ensuite, je me suis mise à grandir. Et j'ai retrouvé ma taille normale grâce à Madame les Fleurs. Et le lapin, tu l'as vu? Oui, mais avant, j'ai mangé une grosse pomme. J'ai rencontré des enfants géants, un drôle de monsieur qui buvait du thé, et une reine, ou un roi, je ne sais plus, qui était très méchant et qui criait très fort et disait des choses vraiment bizarres. Oh Alice, que tout cela me semble bien farfelu. Si tu me racontais tout cela, alors... Dites-moi, c'est
un secret de lapin. Oh mon Dieu, je vais être en retard. Monsieur Lapin, attendez-moi. Thank you.
dans son champ. C'est votre côté fleur bleue. Des fleurs géantes? Et qui parlent? On parle et on chante aussi. Le chant des fleurs, tu connais? Un champignon géant, une grosse pomme, et maintenant des fleurs aussi grandes que des arbres. Ce n'est pas nous qui sommes grandes, c'est toi, Alice, qui es toute petite. Tu as bu de la potion de Monsieur Lapin. Tu aurais dû te méfier. On ne se méfie jamais assez dans la peau. Vous me dites n'importe quoi. Je dois encore être en train de rêver. C'est très vexant pour tout ce que tu dis là. Nous sommes de vraies fleurs. Nous pourrions bien t'aider, tu sais. Merci bien. Le lapin aussi voulait m'aider. Et voilà ce que ça a donné. Allons, Alice. Nous savons bien que ton aventure n'est pas terminée. Tu as encore d'autres personnes à rencontrer. Il faut que tu retrouves ta taille normale, que tu grandisses, afin que ton histoire continue. Que dois-je faire pour cela? D'abord, nous faire confiance. Nous avons déjà aidé beaucoup de personnages. Rassure-toi. Nous sommes plutôt gentils. Et puis aussi la chenille. Elle voulait t'inviter de fumer. Mais ça lui a donné peur, apparemment. Oh, regardez, Pétard. Elle est passée au travers de la peau. Mesdames les fleurs, c'est bien gentil de vouloir m'aider. Que dois-je faire? C'est un livre où tu trouveras toutes les solutions à tous tes problèmes. Il y a sûrement une formule qui te fera grandir. Allons, Madame Bégonia, allez vite chercher le grimoire pour Mademoiselle Alice. Mais je ne sais pas où il est, moi, ce livre. Madame Camilla l'a emprunté pour le donner à je ne sais qui. Oh, je m'en souviens. Je l'ai prêté à Madame Camomille Vervaire. Mais on avait assez de finir leur tisane. Oh, mais ne vous inquiétez pas, elles me l'ont rendu. Je file le chercher. Oh, cette Madame Camilla, elle est si étourdie qu'elle risque bien de finir dans un vase de salon. Oh, Madame Pétunia, ne dites pas de choses aussi horribles. Oh, mesdames, je l'ai retrouvée. Elle-même trouve la grande page pour retrouver sa taille. La bonne page. La bonne page. La bonne page. Mais c'est que ce livre est très gros. Comment vais-je faire pour trouver la bonne page? Il y en a des milliers et des cents. La bonne page. Ah, la bonne page. La bonne page. La bonne page, c'est vite dit. Peut-être celle-là. Non, c'est une formule pour devenir encore plus petit. Sûrement pas. Peut-être celle-là. C'est une formule pour ne plus aller à l'école. C'est bien tantôt, mais une autre fois peut-être. Peut-être celle-là. Oui! Comment retrouver sa taille normale? Toucher trois fois son nez en fermant les yeux. C'est donc si facile que ça. Après tout, pourquoi ne pas essayer ?
avez tous retrouvé votre taille normale. Vous, vous et vous aussi. Ah, je suis bien contente, vous savez. Eh bien, Alice, pourquoi êtes-vous contente? Quand on est content, on est en retard forcément. Monsieur Lapin, vous tombez bien. Je ne sais ce que vous m'avez fait croire, mais je suis devenue toute petite. Petite comme ça. Et pourtant, vous me semblez avoir votre taille normale. Grâce au grimoire, oui. Le livre de Dame les Fleurs. Dame les Fleurs? J'ai jamais entendu parler. Oh, vous devrez, vous deviez rêver une fois encore. Ce que vous êtes agaçant. Puisque c'est comme ça, moi, je m'en vais. Alice. Mademoiselle Alice, revenez. Alice. On va être en retard, c'est sûr. Des gros, des petits. Oui, oui, oui. Je peux vous en préparer un si vous
mademoiselle, je sais tout faire. Monsieur Lapin va nous en apporter un très bientôt. Oui, oui. Ah, Monsieur Lapin? Oui. La dernière fois que je l'ai vu, il ne préparait pas du gâteau. Il était en retard. Mais c'est normal, car même en retard, Monsieur Lapin doit quand même nous apporter un gâteau. Quand? Oh, mais toujours des questions. Quand? Mais vous verrez bien. Mais est-ce que je m'impatiente? Mais vous fumez beaucoup trop pour un chapelier. Tiens, on a frappé. Quand on a frappé, c'est qu'il y a quelqu'un. Toujours. Jamais. Enfin, je veux dire que quand on frappe à la porte, c'est que parfois, il n'y a personne. Ah, c'est vrai. C'est que vous êtes bizarres tous les deux. Il y a quelqu'un. Mais pas forcément. Jamais. Écoutez, moi, je vais ouvrir. Non, mais pour vous, mademoiselle, vous perdez votre temps.
le thé. Non, pas le gâteau, pas le thé. Nous ne venons pas pour le thé, mais pour l'invitation. Non, mais messieurs, vous n'êtes pas invités. Non, monsieur le chapelier, oui. J'ai la reine de cœur pour faire partie de Croquet. La partie de Croquet, c'est la reine de cœur, mais ça, c'est une possibilité. Il y a tellement longtemps que j'ai envie de laisser la reine de cœur pour la partie du Croquet. Oh. Pardonnez-moi, monsieur le lièvre, il me semble que vous n'êtes pas invité. Oh, ça, je ne suis pas invité, ne me dit-on. C'est que je suis un lièvre à la royale, moi. Pas invité, c'est comme ça. Comment ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, mais dis-donc, c'est ce qu'on va voir, c'est comme ça. Vous êtes d'accord, c'est la même qu'un peu, je n'ai pas peur d'elle, moi. Ah, non, mais ça veut dire... très attention, mon ami. Quand la reine de cœur se met en colère, oui. Elle coupe la tête. Comment ça, du premier venu? Non, mais dites-donc! Non, mais dites-donc, moi je ne suis pas le premier venu! Je suis un lièvre tout à fait convenable! Et je suis très en colère, car je ne suis pas invité, je vais aller avoir un lièvre! Eh bien, je vais expliquer ce manière! Non, mais dites-donc, une partie croquée, et le lièvre ne serait pas invité, qu'est-ce que c'est?
croquer. Pour la partie de tricot, oui, je crois. La partie de croquer, pas de tricot, de croquer. La partie de criquet, j'ai compris. Ce n'est pas la peine de crier si fort. Je le dis partout. Déjà le signal, les trompettes qui sonnent. Qu'est-ce que vous dites? Les tronçons qui pètent. Nous attendons les autres invités. Ah, allez voir l'instrument. Messieurs, si j'en retard. Mais non, Alice, tous les invités ne sont pas encore arrivés. Mais, et la partie de croquet? Pas encore. Pas encore. Pas encore. Ah, les autres invités arrivent. Je suis le prochain sur la ligne.
Évidemment, tu crois, Madame Bégonia. Oui, c'est à vous, allez, Madame Bégonia. Attention, si vous perdez, oui, on coupe la tête, je marquerai si c'est ici la balle. Il faut l'envoyer là-bas. Attention. Et alors, je dis les prochaines soirées. Madame Camilla, c'est à vous. Oui, c'est à vous. La partie du croquet, ça va vous faire passer l'envie de coucher, Madame Camilla, là-bas. Il y a mal ici. Il faut revenir. Oui, quand même. Notez bien le chien robot qui est la tête de Madame Camilla. Monsieur Lapin, vous c'est pour tout à l'heure, alors à qui le coup? Monsieur le garde, oui. Monsieur le trèfle, c'est à vous. Oui, vous aussi, les gardes, vous aussi. Mais attention, que couper la tête des gardes aussi. Si, 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 c'est marqué. Allez, attention. Monsieur le garde, ici, là-bas, là, il est là, là-bas. Non, mais là-bas, allez. C'est à vous. La balle est ici, vous jouez vous aussi. C'est pas une petite. Si, si, c'est une petite. Là-bas, attention. Visez bien, visez bien, visez bien. Bien. Perdu. La perdu, monsieur Carole. La tête de monsieur. Oui, monsieur Lapin. Allez, monsieur Lapin, c'est à vous. Allez, monsieur Lapin. Oui, attention, monsieur Lapin. On coupe la tête des lapins aussi. C'est à vous de jouer. Attention. Monsieur le beau monsieur Chapelier, c'est à vous qui moi, attention. Je reste d'abord raisonnable. Oui, car on peut aussi couper la tête des Chapeliers. Non, en tout cas. Attention, elle est ici, vous l'envoyez là-bas. Perdu, vous avez perdu, monsieur Chapelier. Approchez-vous de couper la tête. Mademoiselle Alice. Ah. Vous êtes la dernière à passer. Mais c'est que je ne sais pas très bien jouer au croquet, vous savez. Ce n'est pas grave, mademoiselle Alice, mais attention. Si vous perdez, à vous aussi, on va vous couper la tête. Deux fois. Allez, mademoiselle Alice, attention.
C'est l'heure du goûter. Ton chocolat va refroidir.